wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la patate. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online en compagnie de Lapinou. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va nickel. Parfait. Ouais, donc du coup on se retrouve... Ouais, tu vas te commencer par te calmer s'il te plaît. Sur GTA 5 pour vous faire part d'une petite vidéo. Je me disais que ça pouvait vraiment être fort sympathique de réaliser ça, vu qu'on a déjà tenté pas mal de choses avec les véhicules de GTA 5. Pourquoi pas tenter de faire un petit ramp buggy vs le petit camion qui est juste derrière nous, vu que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient réalisé le petit test ramp buggy vs le tank et que finalement le ramp buggy ne passait pas sous le tank, enfin que le tank ne décollait pas et que le ramp buggy normalement est censé faire voler n'importe quel véhicule. Et bah du coup on va tester avec le camion et on va voir s'il y a moyen de le faire décoller, et Lapinou va s'occuper de garder le camion en temps et en ordre. Voilà, ouais, tout simple. Ouais, on va essayer. En fait là par surprise tu le sais pas mais je suis déjà en train d'arriver. Oh merde. Merde. Oh putain. Bon, ouais, déjà. Préparer, moi. Attends, bouge pas. Oh là là, magnifique. Vas-y, je bouge plus. Magnifique. Dommage. Bon, déjà le test est concluant puisque le ramp buggy, on peut passer sous le camion avec le ramp buggy. On peut même le faire décoller, comme vous venez de le voir. On peut même le faire valser. On va pouvoir le faire. C'est une bonne chose. Après, je pense qu'il faut tester de face et de dos et avec ou sans vitesse. Ok. Donc là, c'est un gros fail. Voilà, exactement. Par exemple, avec la vitesse, ça fonctionne pas. Voilà. Mets-toi deux pour voir. Mets-toi en arrière. Alors attends, bouge pas, je me mets en place. Oui, non, mais j'ai le temps d'arriver, de manière. Je pense que je suis en plein milieu. Je pense que ça dépend vraiment de la vitesse des deux véhicules. Ou si c'est attends, j'arrive. Accélération ou pas. Attends, j'arrive pas. Mais si, voilà, tu voles. Je vole. Oh, mais c'est parfait ça. Attends, je reviens. Reste comme ça, bouge pas. Ah, il y a vraiment vos moyens de le faire voler assez haut en plus, c'est sympa. Regarde-moi ça. Alors là, pour l'instant, ça va, c'est tranquille. Mais à mon avis, il y a moyen de faire mieux, je pense. Tu crois? Ouais. Voilà, comme ça par exemple. Voilà, magnifique. On vient de réaliser le best. Je pense que pour l'instant, personne n'a réussi à faire cabrer le camion encore de cette façon. Ouais, mais je crois que nous on a réussi là. Là c'est sûr, ouais. On a réussi. Attends, on va faire un dernier test. Après, je vais prendre la place du camion pour voir ce que ça fait à l'intérieur. Moi, tu testes de face ou de front ou de. Bon, peu importe, mets-toi de côté. Hein. Ouais, ah, de côté aussi. D'accord, ok. Mais voilà, c'est parfait comme ça. C'est parfait. Attends, reste comme ça, bouge pas. Je tourne, attention. Voilà, c'est bon. Ouais. Il y a moyen de te faire voler comme ça. Exactement. Ok, donc le ramp buggy est bien évidemment capable de faire ça. Bon, vas-y, tiens, monte dedans. Vas-y. Laisse-moi le camion. C'est bon, il est encore en bon état. C'est vrai? Il fume pas encore. Ouais, ça va. Le buggy non plus, il fume pas encore. Il est solide. Vas-y, viens, fonce-moi dans le cul. Hop. Vas-y, je suis prêt là, j'attends que ça. Fonce-moi dans le cul. Vas-y, je fais une marche arrière aussi. Vas-y, eh ben, c'est parti. En vue du buggy, je pense que oula. On a pas testé attends, on va tester un truc. Mets-toi, ne bouge pas et moi je te fonce dessus, ouais, avec le camion. C'est ce que j'allais dire parce que mine de rien en fait le camion peut faire décoller le buggy. Et il faut juste que le buggy bouge pas. Je pense qu'il y a moyen aussi. Aïe, j'ai mal. Oh. C'était magnifique ça. C'était magnifique. En fait, le buggy est surpuissant, je pense. Attends, reste comme ça, on va refaire un dernier test. Je vais juste prendre beaucoup plus de vitesse. En plus, le camion, il est surpuissant, il est rapide. Hein. Et ouais. Et en fait, je pense que quand le buggy est de face comme ça, quand tu le prends, forcément, tu vas décoller. Par contre, s'il est de dos, avec le camion, à mon avis, tu peux le faire valser très loin. Oh là là, attends. Bouge pas, là. Chances. Bouge pas, j'arrive. Je crains le pire pour toi, à mon avis. Pour moi ou pour toi? Pour toi, je pense pour toi. Oh. Ça c'est fait.
On a tenté pas mal de choses du genre faire prendre le buggy pour le faire foncer dans le camion, mais la réponse était plutôt de faire foncer le camion dans le buggy. C'était ça crois, plutôt. Attends, ouais, on va essayer de toi. Et toi de dos. Vas-y, je me mets de dos alors. Ah ouais, non mais là. Mince, j'ai bougé, ouais. Remets-toi bien. Moi ouais, j'arrive. Je vais me remettre de dos. Allez, parce que le camion il va vite, mine de rien. En vitesse de pointe, c'est assez impressionnant. Ouais. Je pense qu'ils ont dû lui donner des petites performances assez sympathiques. Ouais. Ce serait peut-être bien même de tester un jour un V1 contre... Oh. Oh, tu fumes. Ah oui, je fume là, ça y est. Je pense qu'elle commence elle commence c'est à fatiguer la voiture. Ah, le buggy, là, il est malade. Ouais, c'est ça. Bon, bah finalement, on est capable de faire valser à la fois le buggy et à la fois le camion à l'aide du buggy. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire sur GTA Online. Vous avez vraiment de quoi vous amuser avec vos amis. Vous pouvez même faire valser les avions, voilà, comme par exemple. Vous pouvez vraiment faire valser tout ce que vous voulez avec les deux véhicules. On verra par la suite s'il y a moyen de faire valser d'autres objets comme le camion Ben ou des trucs comme ça. Si vous êtes partant, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si la présence de Lapinou vous a fait plaisir, n'hésitez vraiment pas à le dire aussi. Ça me ferait plaisir que ça vous fasse plaisir qu'il soit là pour qu'on puisse par la suite réaliser d'autres vidéos ensemble sur GTA Online. Que ce soit des tests à la con ou des petites vidéos follement sympathiques sur GTA Online. Puisque vous avez été très nombreux à me demander What the fuck. Wouhou. Il était monstrueux celui-là. Il était très monstrueux. Vu que vous êtes très nombreux à me demander un petit peu du contenu qui change des informations, bah voilà, je vous en propose. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire et que cette petite vidéo vous a plu. J'espère vous avoir appris un petit truc sur GTA Online. Le camion est en train de fumer là. Le et buggy aussi, je te rassure. Je pense qu'on est pas mal. C'est toi qui as les flics? Oui. Oh, mais il n'y a plus de voiture de flic. Donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir. Lapinou, merci d'avoir participé, c'était assez drôle, c'était assez sympa. De rien, je m'occupe de tes arrières, je m'occupe des flics. D'accord, y'a pas de soucis. On se retrouvera peut-être prochainement pour une prochaine vidéo, je sais pas, on verra bien. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entière, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous la présenter. N'oubliez pas de lâcher un petit like ou même de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. C'est du grand n'importe quoi.